Après, sur Verrières proprement dit, j'ai l'impression que les femmes ont leur place, ne serait-ce que au sein de la municipalité, etc. Donc, je ne ressens pas cette inégalité de façon importante, quoi. Mais après, oui, bien sûr qu'il y a des choses à faire. Bien sûr. Ouais. Bonjour, merci. Vous me prenez au saut du, enfin, au saut de la piscine, en fait. Je suis. Personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de choses à laquelle la femme peut faire beaucoup de choses à ce niveau-là. Mais c'est incroyable qu'on soit obligé de se poser ces questions-là encore. Mais encore maintenant. Et en France. Parce que quand on voit dans d'autres pays, notamment dans le nord de l'Europe, ces questions-là, ils ne se les posent même plus. Hein. Dans 20 ans, vous voyez ça comment? J'espère qu'on aura une terre propre, et puis avec des voitures électriques, et puis des vélos, et que tout le monde sera heureux sur Terre. Oh non, ça reste dans le domaine de la théorie, l'égalité. D'accord. Message un peu pessimiste. Alors pour l'instant, vous n'êtes pas encore convaincu. Vous n'êtes pas convaincu. C'est la réalité. Dans tous les postes de décision, il n'y a que des hommes, quasiment. Sur tous ces postes de décision, d'action. Oui, pour les petites mains, oui, là, il y a beaucoup de femmes. Oui. Clairement, on voit que les taux de féminisation sont faibles dans certains postes, ce genre de choses-là, donc il y a un travail à faire là-dessus. Peut-être réglementaire, je ne sais pas. Mais effectivement, il y a des choses à changer de ce point de vue-là. Nous sommes plus égalitaires pour tout le monde et plus inclusifs aussi. Elles le font déjà. Et je trouve que ça ne progresse pas rapidement quand même. C'est un peu long, c'est mieux, mais ce n'est pas encore ce que ça devrait être. Hein. On le voit tous les jours. Ces messieurs qui se placent au-dessus de ces dames. Hein. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant, non. Les hommes poussent à la guerre, les femmes sont pacifiques, c'est un exemple très important. Mais on a aussi besoin des hommes, donc il faut un équilibre et pas seulement des caractéristiques utilisées pour le social ou la médecine, le médical chez les femmes et le ministère de l'Intérieur et de la guerre pour les hommes.